Nous passons notre vie à négocier. Tous, tout le temps, et sans même nous en rendre compte parfois. Que ce soit avec nos amis, famille, collègues, patrons, voire même nos enfants. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur Netflix Est-ce que je peux avoir une augmentation Est-ce que je peux travailler sur tel projet ou sur tel autre Combien d'unités vous souhaitez, monsieur le client, et à quel prix En fait, on négocie tout le temps. 80% des prises de décision que nous prenons sont faites en adéquation avec une autre personne qui a la capacité de nous dire non. Alors on pourrait penser que l'on négocie comme on respire. C'est faux. Respirer est purement intuitif, négocier ne l'est clairement pas. Négocier, ça s'apprend. Ça s'apprend si vous voulez défendre vos intérêts de façon efficace et si vous voulez éviter de vous retrouver dans la situation absurde dans laquelle je suis aujourd'hui. En fait, en partant ce matin, euh, parce que je suis habillé en bleu euh, et par souci de classicisme, je voulais mettre des chaussettes bleues. Et ma femme, ce matin, m'a offert des chaussettes rouges en référence au logo TED. Et, et comme j'étais pressé et par souci de simplicité, j'ai fait un compromis. Comme vous pouvez le voir, le compromis qui est communément répandu comme la meilleure solution dans la négociation ne l'est clairement pas. En fait, le compromis, c'est même la fausse bonne idée de la négociation. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à repenser cette notion de compromis dans la négociation. Alors, déjà, on est en droit de se poser la question qu'est-ce qu'un compromis Alors, En fait, un compromis, c'est que je vais abandonner une partie de ce que je veux l'autre va abandonner une partie de ce qu'il veut pour créer une sorte de zone d'accord possible et obtenir un accord un peu gagnant, un peu gagnant ou un peu perdant, un peu perdant. Ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais vous comprenez bien que dans cette notion de compromis, on ne satisfait pas pleinement son intérêt. Voire même pire, on va générer, on va créer une forme de tristesse, frustration, déception à l'issue de la négociation chez nous et chez l'autre. Attention, quand vous coupez la poire en deux, à ne pas être la poire. Cette notion de compromis n'a aucun sens. C'est comme si, à la fin du TED, euh, pour me reposer avec ma femme, moi je décide d'aller au restaurant elle préfère qu'on aille se reposer au cinéma. On va au restaurant, on prend une entrée, on paye et on va voir les 30 dernières minutes du film. Ça n'a aucun intérêt. Je m'appelle Julien Pelabert et je suis négociateur professionnel. C'est-à-dire que mon métier, il est d'accompagner, former, assister les entreprises, individus, organisations dans la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois principes issus de mes travaux de recherche et de mon expérience qui devraient vous aider à mieux négocier tout en évitant le compromis. Premier principe, prendre le contrôle de ses intuitions. Pour moi, il n'y a rien de pire que de s'en remettre juste à son intuition dans la négociation. En fait, s'en remettre juste à son intuition dans la négociation, c'est prendre le risque de passer complètement à côté de votre négociation et de devoir faire, dans le meilleur des cas, un compromis pour vous rattraper. Je vais vous montrer un exemple qui est tiré des travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002. Si je vous dis... Une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10 €. Une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle Effectivement, si la première idée que vous avez en tête c'est 10 centimes, intuitivement, c'est faux. En fait, la balle coûte 5 centimes, la raquette coûte 1 € de plus que la balle, 1 € et 5 centimes, 1 € et 5 centimes et 5 centimes, 1,10 €. Vous voyez cette première idée, cette intuition qu'on a, elle est fausse. Et ça demande trois choses à votre cerveau pour avoir bon du temps, de l'énergie et de la motivation. Et dans beaucoup de négociations, on n'a pas forcément du temps, de l'énergie et de la motivation, et on a cette intuition qui reprend le pas. Je partageais avec vous un exemple qui m'avait assez marqué à l'époque. J'étais salarié d'un cabinet de conseil. On reçoit un appel d'offre d'un fournisseur, d'un client qu'on connaît très bien, et le directeur commercial me dit "Moi, je le connais très bien ce client. Je sais exactement ce qu'ils veulent. J'ai cette intuition. Et donc, on ne va pas prendre le temps." De qualifier cet appel d'offre, d'en parler avec le client pour savoir exactement ce qu'il souhaite. Le directeur commercial fait sa réponse à l'appel d'offres, il l'envoie, soutenance, et dans la soutenance, surprise. Le client lui dit On est très surpris, très étonné de votre réponse, elle correspond pas complètement à nos attentes. Et alors que l'appel d'offres était composé de trois lots et qu'on aurait pu gagner les trois lots, on a été obligé de faire un compromis et de se concentrer sur un seul lot pour le gagner. On a perdu deux lots sur trois juste à cause d'une intuition. Ça coûte cher. Méfiez-vous de votre intuition. Elle n'a aucune raison logique d'être exacte. Même si de temps en temps, vous aurez... Bon, c'est un petit peu comme une horloge cassée. Même une horloge cassée donne l'heure de façon exacte deux fois par jour. Donc méfiez-vous de votre intuition au risque de passer complètement à côté de votre négociation. Prenez le contrôle de ces intuitions, de vos intuitions, car toute négociation doit se préparer. Et chacune de vos hypothèses devront être challengées. Deuxième étape, passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. Alors, en parallèle euh, de mon activité conseil en négociation, euh, j'ai la chance d'enseigner la négociation à HEC, à l'ENA et à la Sorbonne. Et quand je demande aux étudiants qu'est-ce qui les intéresse le plus dans mon module de négociation, en début de formation, j'ai toujours la même réponse. Nous, on veut apprendre à argumenter, à convaincre pour obtenir le plus possible dans la négociation. Or, paradoxalement, convaincre est un non-sens dans la négociation. En fait, convaincre, c'est vaincre, et con, c'est un préfixe intensif en latin qui veut dire de manière plus importante. C'est-à-dire qu'on veut annihiler l'autre juste par sa parole. Quand j'essaye de convaincre l'autre, je lui explique à quel point il a tort et à quel point j'ai raison. Et là, le cerveau est plutôt bien fait parce qu'en face, vous aurez quasiment toujours la même réaction. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous écouter, non pas pour comprendre votre propos, mais pour répondre. Avec cette petite voix en tête, attends deux secondes de finir ta phrase et regarde ce que je vais te mettre. Et là, il va vous dire à quel point il a raison et à quel point vous avez tort. Vous comprenez bien que de cette situation, seule une victoire à la pyrrhus peut se dessiner. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les métaphores qu'on retrouve dans le management lié à la guerre, guerre de position, joute verbale, je veux gagner contre l'autre, vous pourriez obtenir un accord, effectivement. Mais à quel prix Ou à côté de quel accord bien meilleur vous êtes passé Je vais vous donner un exemple qui n'est pas plus tard que fin de l'année dernière. Je sors de conférence et j'ai un chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit « Julien, j'ai un petit problème. » Il y a trois ans, je me suis séparé d'un de mes salariés qui travaillait aux États-Unis. Et il y a trois ans, il m'a demandé 15 000 dollars et la Green Card. Ce à quoi j'ai répondu non. Et il y a deux ans, il est allé en Corte, donc c'est l'équivalence des prud'hommes aux États-Unis, et il m'a demandé 200 000 dollars. Ce à quoi j'ai répondu non. Et l'année dernière, la Corte a rendu un verdict en sa faveur je lui dois 700 000 dollars. 15 000. 200 000, 700 000 dollars. Qu'est-ce que je peux faire Situation un petit peu compliquée, mais je lui dis écoute, euh, à la limite, je peux te proposer de faire une médiation, c'est-à-dire de retravailler sur le lien qui vous unit. J'appelle ce salarié bonjour, je m'appelle Chira Pellabert, je suis négociateur professionnel, et je souhaiterais vous proposer une médiation. Et là, sa réponse, elle est très claire. Écoutez, monsieur Pellabert, un, je ne savais pas que ce métier existait, et si j'avais su qu'il existait, j'aurais fait appel à vous il y a bien longtemps. Mais ça va être une fin de non-recevoir. Ça veut dire non. Pourquoi j'irai en médiation alors qu'aujourd'hui j'ai un verdict qui m'est favorable à hauteur de 700 000 dollars Là, vous comprenez bien qu'argumenter c'est foncer droit dans un mur. Et donc, au sein de notre institut, on a travaillé sur des méthodes de questionnement, sur des outils, dont un outil qui s'appelle Samper, qui est basé sur des travaux sur l'écoute active. Et donc pendant 1h15, 1h20, j'ai questionné pour comprendre quelle était sa représentation du problème, qu'est-ce qu'il avait vécu, comment est-ce qu'il le ressentait. Et la dernière étape de Sumper, c'est R, résumer les propos. Voilà ce qui s'est passé. Donc si je comprends bien, ça fait trois ans que vous êtes dédié à 100% sur ce procès que vous percevez comme profondément injuste. Ce procès a mis à mal votre équilibre familial avec votre femme, avec votre fille. Et le rapatriement en France a été extrêmement dur à gérer. Au-delà de ça, vous êtes tellement dédié à ce procès qu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas retrouvé de travail. Et au-delà de cette somme d'argent qui est considérable, mais dont vous me dites que vous n'avez pas forcément besoin, c'est pas ça qui vous fera tourner la page. Ce qui vous fera tourner la page, c'est d'être assis face à face, face à votre ancien employeur, le regarder droit dans les yeux et lui dire à quel point vous avez souffert de cette situation que vous percevez comme profondément injuste. Et à partir de ce moment-là, le fardeau qui est sur vos épaules ne vous appartiendra plus. Et là, il me répond, un mot magique dans la négociation, il me répond, c'est vrai. À ce moment-là, il venait de reconnaître que j'avais reconnu son problème. À ce moment-là, il venait de reconnaître que j'avais compris sa perception de la situation. À ce moment-là, il venait de légitimer ma négociation. Il venait de me donner le droit de commencer à négocier. Et en cinq minutes, on a eu un accord pour aller en médiation sans aucune forme de compromis. Mais vous comprenez bien que si j'avais argumenté de quel droit j'aurais pu lui dire ce qui était bien ou pas bien pour lui. Comprendre est primordial, car il vous permettra, derrière le nom qui est affiché, d'aller chercher un oui, d'aller chercher un vrai oui. D'aller chercher un oui sans compromis. Chercher à augmenter l'autre. Alors je dois ce, ce credo à un de mes mentors en négociation, Eric Blondeau. Parce que la négociation, en gros, c'est comment faire en sorte que l'autre accepte librement ma proposition, mais avec son système de pensée. Et pour ça, ça n'est possible que si je cherche à l'augmenter, que si je cherche dans son référentiel un futur bénéfice pour lui à aller sur l'accord. J'ai eu la chance d'accompagner et de former à mon référentiel de négociation la cellule de négociation d'une unité d'intervention de la police nationale, les gens que vous voyez cagoulés en noir à la télévision. Et quand il négocie avec un forcené, à aucun moment il lui demande de sortir. Par contre, il lui faut comprendre que sortir est la meilleure solution qui s'impose à lui. Et c'est très différent. Ils ne peuvent se permettre ça qu'en allant chercher un futur bénéfice dans la reddition pour le forcené. Je vais vous donner un exemple. J'ai vécu il y a 18 mois avec une enseigne de bricolage, leader mondial, qui a fait appel à moi sur une négociation. L'acheteuse senior qui venait de récupérer un compte, au bout de trois semaines, son fournisseur lui dit, on souhaite augmenter nos prix de 5%. Et elle me dit, mais Julien, à partir de combien de pourcent, ça sera une bonne négociation Est-ce que si je trouve un accord à 4%, c'est bien Est-ce que si on fait un compromis à 2,5%, c'est mieux est-ce que je peux aller jusqu'à 1% Et donc, on prépare cette négociation. Et dans les axes de préparation de cette négociation, je lui demande déjà d'aller questionner sur les 5%. Quel est l'historique de ces 5% Comment est-ce que ce prix a été construit, calculé Sur quels critères objectifs Et deuxièmement, d'aller comprendre derrière la, derrière la position quelle est la motivation, quels sont les intérêts qui sont en jeu pour son interlocuteur. Premier rendez-vous a lieu, et elle revient avec les informations. Alors, apparemment, le prix de plus 5% correspondrait au prix de l'évolution du prix de l'acier sur les dernières années. On vérifie, sur les dernières années, le prix de l'évolution de l'acier, c'était plus 2%. Donc pas forcément corrélé. Et quand je lui demande quelle est sa motivation en tant interlocuteur elle me dit bah voilà, « c'est une personne qui a récupéré le compte France ». Et aujourd'hui, elle souhaiterait augmenter le chiffre d'affaires de 500 000 euros sur un compte à 10 millions. Ça fait 5%. Et en plus, elle a pour ambition, demain, d'avoir une responsabilité européenne, IMIA, avec toute la partie Europe du Sud. Donc on travaille sur comment augmenter notre partenaire dans la négociation. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement mauvais sur la supply chain et la logistique. C'est-à-dire que régulièrement, en magasin, on a des références qui ne sont pas à jour ou qui ne sont pas en rayon. Et quand on fait les commandes, ça peut prendre entre une semaine et deux semaines pour que ça arrive en magasin. Et quand on calcule le manque à gagner, le manque à gagner est quasiment de 400 000 euros. Quasiment ce qui demandait, on a de la chance. On organise une deuxième réunion de négociation au siège social de cette entreprise qui est en Allemagne. Et voici comment ça s'est passé. Vous nous avez demandé une augmentation de 5% et on ne souhaite pas y donner suite. Par contre, on s'est rendu compte que tous les ans, vous perdiez 500 000 euros. Et ça, c'est à cause de votre logistique et supply chain. Or, nous, on a une véritable expertise sur la supply chain et la logistique. Et ce qu'on souhaiterait vous proposer, c'est de vous former à la logistique, de repenser cette chaîne logistique, et d'après nos calculs, entre 6 et 8 mois, vous devriez pouvoir rattraper ce manque à gagner de 500 000 euros par an. Et même mieux, si vous capitalisez sur notre expertise, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser sur l'Europe du Sud, avec qui vous travaillez déjà. Espagne, Portugal, Italie. Et là, on venait d'augmenter notre partenaire. On est passé d'une négociation de plus 5% à 0%, sans aucun compromis. Et pour la petite histoire, quelques mois après, ils négociaient même une remise de prix négative. Cela n'avait été possible que parce que nous avions cherché à augmenter notre partenaire. Vous avez bien compris que pour moi, la négociation, ce n'est pas intuitif et que pour être performant, ça s'apprend. Je suis persuadé que la négociation, que savoir bien négocier, c'est même un enjeu, un enjeu sociétal. Bien savoir négocier, déjà, dans notre prisme de la sphère professionnelle, de l'entreprise, c'est s'assurer une performance économique à travers le prisme de la performance sociale. Et dans notre sphère familiale, privée, bien négocier, c'est gagner en quiétude et en sérénité. Alors aujourd'hui, à travers cette conférence, je fais le vœu que vous puissiez gagner en quiétude, sérénité et efficacité sur vos prochaines négociations. Et pour ça, je vous propose trois choses. Prenez le contrôle de vos intuitions. Passez d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre et cherchez à augmenter votre partenaire. Merci.